En vrai, ça. C'est ça. En vrai, c'est aléatoire. Hein. Bah si, si ça peut me sauver la vie, juste 5 secondes pour que je puisse me barrer. C'est pour ça, c'est ce que j'ai pris, hein. J'ai pris défense grande, et puis bah, si ça me sauve la vie 5 secondes, bah, ça sera toujours 5 secondes de plus que tout à l'heure. Poste le cap, poste le cap. Ça te coûte de l'argent, quoi. Que bon, j'ai que 1 million, je peux pas le dépenser comme ça, quoi. Aucune quête disponible. Putain, il est lent en plus, quoi. Oh là 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 là. Là, il va nous annoncer que il doit aller aux toilettes ou passer à la forge pour recharger parce qu'en fait ses bottes ne sont pas en concordance avec son casque. Mais en fait, il y a pas. Il n'y a pas vraiment de conseils, ton stuff et tes armes doivent évoluer selon ce qui tu farmes aussi, quoi. À mon avis, le Nergal, il doit faire dragon ou explosion, hein. Il y a peu de chances, à mon avis, qu'il fasse de la foudre, hein. Ça se voit? Ça donne quoi du coup? Non mais vous regardez c'est quoi Nergal sur une des armes? D'explosion. L'explosion, ça marche tout le temps. Vas-y, fais explosion, fais-toi pas chier, quoi. Mais l'explosion, en fait, même quand le dragon ne craint pas énormément l'explosion, ça marche. Donc c'est vrai que voilà, quoi. Puis moi je regardais Zero no Tsukaima, et dans Zero no Tsukaima, quand elle fait un sort d'explosion, là ça explose bien, voilà c'est tout. Aussi, mais... Du coup aujourd'hui c'est Blackjack qui fait interférence avec la quête.
Il est en train de chercher s'il peut nous sauver la vie. Alors GS, ça veut dire Greatsword. Non mais je sais pas quoi vous dire les enfants. J'étais en train de faire autre chose donc. Y'a Eshine qui croit qu'on joue à Street Fighter. Je vais bientôt mettre mon costume de Ryu si ça continue. Excuse-moi, mais t'es mort aussi à Lucard, hein. C'est bon. J'aimerais tellement que tu meurs là tout de suite comme un caca, tu vois. Ça va, tu nous dis, hein, sinon. Si t'as même pas de quoi prendre une petite popo. Ah, il a pas bouffé tout de suite? J'avoue que contre le grand chakra, j'ai pas les réflexes, genre mettre la cape, la défense, tout ça, tu vois. Alors que je sais que celui-là va me one shot, hein, mais ça reste un chakra dans ma tête, tu vois. Parce que pour moi, la différence entre un chakra et un grand chakra, c'était quand même juste le mot grand, quoi. Ouais, il y avait que le mot, hein, parce que la différence in-game, voilà. Ah, si, il prend 2-3 flèches de plus, quoi. Il se barre avec ta queue. Ah, c'est... Du coup, il a pas craché. Il a pas craché une seule fois? Non, parce qu'il y a Blackjack qui va chercher des joyaux au milieu de la carte, mais... Là, il va cracher sur Alucard, je vais me prendre le truc, je le sens tellement.
Putain, one shot alors que j'étais en grande défense quoi. Ah mais je devrais vous laisser faire en fait. Ah. Il a une grosse attaque, hein, surtout qu'on est 3, donc sa puissance est augmentée. Mais je pense quand même qu'il a une bonne grosse attaque quoi. Bah ça me rassure pas beaucoup. Ouais, il... Ah ouais, ce qui est le... J'allais dire, il y a le Devil Joe qui est là, mais le Devil Joe il se casse quoi. T'as les nerfs quoi. Il est venu profiter de ton live de qualité. Bon, du loot. Que j'ai servi à rien, mais c'est pas grave. Ça donne des points les cibles. Tu veux le piéger? Ah.
Oh oh. Je m'en vais. T'es trop méchant. Il a crash, il a crashé. Je crois qu'il vous suit par contre. Il va bouffer. Et c'est le bouffer, non? Bon, moi je m'en fous, tu sais. On pourrait mourir 50 fois, ça me dérange pas. Hein. Ça irait plus vite. Hein. Ouais. Mais quand tu demandes à ton chat de te cuisiner un truc, il te regarde avec des grosses pupilles. Et... Tu vois qu'il a pas compris, quoi. T'en as pour longtemps à manger? On se rejoint tout à l'heure si tu veux. Moi je mange en live, hein, je m'en fous. Isa. C'est ça. Moi je vais juste faire un truc, c'est que je vais faire un set avec des pièges. Vu que ça peut nous servir là, vu que c'est juste un chagrin en fait. Je vais prendre 2-3 Scaralux. Hop.
Du coup, il craint quoi le grand Jagra? Je me suis jamais posé la question, mais bon, voilà. Ouais, le feu. Il craint toutes les afflictions. Poison, sommeil, paralysie, explosion, étourdissement. Il a 3 étoiles, ouais, tout ce que. On va prendre un petit gros arc de feu. Ça brûle. Il était temps. Désolé. Il va falloir être plus précis. Hein. Il s'appelle Mathias, connard. Voilà, non mais voilà, hein. T'es pas obligé de mettre mon pseudo dans tous les trucs pourris que tu connais, quoi. T'as dit Bacchus. Ah, j'ai entendu Bacchus. Ah, essaye pas de le défendre. Essaye pas de le défendre. Non, je t'ai entendu dire Bacchus. Je suis vraiment paranoïaque, donc voilà, mais. Mais du coup, il lui en voulait ou à son gosse? Enfin, il le voulait pas tout de suite, il s'est dit tiens, toi tu vas souffrir ou. Blague à. Insectoclève, sommeil. C'est pas un insectoglève. Bah, disons que c'est un insecte, c'est un glaive. Et un, ça a jamais fait une. Voilà, hein. Et moi, je suis complètement parano, Shilo. Je suis le genre de type, quand il rentre chez lui, il ferme tous les verrous.
Mon grand-mère a jamais fermé sa porte. Mon grand-père. Il y a 10 minutes. Ouais, c'est ça. Eh bien, bonne app. Juste l'odeur, ça donne envie du coup. Bon, t'essaieras de pas mourir cette fois, Lucarde. Viens nous supporter. C'est possible. Et même si tu étais pas, ça serait pas grave. C'est pas pour ça que je vais arrêter de te parler, quoi. Ah, c'est possible, ouais. Ça m'est arrivé une fois. Je m'en rappelle. C'est si vieux ça. C'était l'année dernière. Non, non, c'est pas un troll, c'est vrai. C'est le pire, c'est que c'est vrai, quoi. Ouais, avec Black Star en co-chanteur. Si, si. Putain, vous êtes resté après encore. Il était bien tard pourtant cette fois-là. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Non mais je vais pas défendre Hearthstone, sachant que je suis pas un grand fan de jeux de cartes. Du coup, un jeu de cartes qui est très bien fait et tout, qui est joli et tout, mais qui est surtout une pompe à fric, je vais surtout pas le défendre, quoi. Hearthstone? Bah si, 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 c'est totalement une pompe à fric. Parce que dès le début de la saison, les gars, ils payent pour avoir toutes leurs cartes et... Bah bien sûr, le jeu a été créé comme ça. Oui, tu peux y arriver sans. De chance, mais c'est un pay to win le jeu. Ne pas le reconnaître, ça serait. Je
Je sais plus avec qui je parlais la dernière fois qui me dit ouais mais Street Fighter 5 tu peux obtenir tes persos en farmant. Et je lui fais mais t'en as obtenu combien en farmant des persos? Parce qu'en fait il faut farmer comme un chinois pour... Tu vois c'est... Oui en effet tu peux les avoir sans payer mais si t'es chinois. Ou si t'es au chômage je sais pas. Mais... Ouais. Et ne pas mourir. Ah parce que si on peut encore mourir une fois, c'est bon, je fais. Je fais exprès de ramasser et puis on meurt. Ouais, mais ça va être à faute de moi et ça va pas me mettre heureux quoi. Ouais, j'ai jamais dit que. J'ai. Ah putain, il passe à travers les arbres. Je pensais que les arbres seraient ma couverture, mais... C'est ça. Mais bon, on est que deux. Non. Non. Non, non, il y a une progression avec le nombre. C'est pareil, t'as une progression par rapport au nombre de monstres. Alors, une fois en fait, si quelqu'un rentre dans ta quête, le palier s'active et il se désactive pas. Donc si par exemple tu rentres dans ma quête, ça augmente le palier, mais que tu viens pas, je l'ai dans le cul. Si, si. Et c'est pareil pour les monstres, c'est progressif par le nombre de monstres. Par exemple, une quête avec deux monstres, ils seront moins forts, mais une quête avec quatre monstres, ils seront ridicules. Enfin, ridicules. Ça dépend des monstres quand même, mais... C'est ça, s'ils avaient tout ça. C'est pour ça que je disais, si on a deux Kirin Alpha, on a moins de chances de mourir. Que si t'en as qu'un. Surtout quand t'es trois, ou en plus t'augmentes la difficulté. Parce qu'en fait, t'augmentes la difficulté, mais tu baisses. C'est quoi? C'est l'armure Diablo. Parce que l'armure avec le plus de défense, ça doit être la Diablo. Si tu rajoutes les 30-40 points de défense que tu peux avoir sur une arme ou des trucs comme ça, ouais, tu peux monter, mais... Et après... Je sais pas si c'est possible, mais... J'ai pas essayé, quoi, mais... Je regardais pas beaucoup les stats avant, mais... Ah, Rathalos, oui, j'ai pris le Rathalos parce que j'ai plus d'affinité. Pour faire des crits, en fait. Je sais que l'Anjanas a plus de feu, mais du coup, par contre, j'ai une affinité à zéro, je crois, avec l'Anjanas. Je vais faire mon lucarde. Elles sont où les petites pièces? Non parce que lucarde là, il fait le malin. Mais il arrive, ça fait juste deux minutes que je suis en train de farmer le monstre dans la zone quoi. Et lui il était arrêté. Mais moi aussi, t'es allé jouer avec le Devil Joe. Je t'ai vu en partant. Bah non, je vais continuer.
Ah lui, il fait ce qu'il veut. Ouais, tu trouves aussi. C'est ça, ça donnait une bonne image. Ça donnait une bonne image de ce que tu voulais faire au monstre, quoi. Après. Et en fait, en vrai, un Kelby en mode monstre, grande taille et tout, avec la vitesse qu'il a et ses coups de corde et tout, ça peut donner un monstre pas dégueu. Hein. Non, c'est plus gros un Kirin. Ah, tu peux faire des potions ancestrales avec la corne de Kirin. Non, c'est le Kelby. Ouais, c'est la faute d'Alucard, de toute façon. Tu vas te... Non mais genre quoi. Ma survie elle dépend surtout du fait que je cours assez vite ou pas quoi. Et casse-toi, Bakia! Heureusement qu'il y a Lucard, hein! J'espère que vous le voyez bien sur ma scène, derrière l'arbre. Ah bah je me suis barré pour pas mourir, après si tu préfères que je reste à côté de toi, je peux le faire Lucard. Bah oui parce que... Non, c'est parce que moi je te voyais à travers l'arbre.